Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous parler donc d'un masterpiece comme vous pouvez le constater. Donc masterpiece qui est sorti il y a de ça déjà au moins 2 bonnes années. Donc la plupart d'entre vous le connaissent déjà ou l'ont déjà forcément. Donc cette vidéo en fait est surtout une vidéo que je fais à la demande de mon ami Nicolas. Donc pour ceux qui ne connaissent pas sa chaîne, vous pouvez aller regarder sur YouTube. Sa chaîne c'est Sideswipe 801, donc un autre reviewer Transformers francophone, donc qui m'a demandé en fait, comme Sideswipe est son Transformers culte, son chouchou par prédilection, donc il m'a demandé gentiment de lui faire cette revue. Voilà, donc parole tenue. Donc nous allons aborder aujourd'hui le petit père Sideswipe, donc dans la gamme M Masterpiece, donc le MP12. Donc bon, le packaging hein, que tout le monde connaît, packaging de grande qualité fait par Takara. Donc on retrouve voilà la pastille d'authentification, de certification, d'authenticité, pardon. Et puis donc sur le dos, voilà, donc la bio de notre ami de Sideswipe, et puis les photos qu'on voit tout le temps, en général sur les packaging Masterpiece, donc avec Optimus Prime et le véhicule concerné donc qui sort de sa remorque. Et juste ici donc nous avons voilà les accessoires qui sont fournis avec. Alors en parlant d'accessoires justement, ben moi j'ai eu ce que j'avais précommandé à l'époque, Sideswipe et Red Alert, donc je les avais commandés en même temps. Donc j'avais eu en plus des accessoires classiques, donc qui étaient donc son espèce de lance-roquette qu'il porte sur l'épaule, son flingue également, son blaster. Alors, je sais pas si on va bien le voir parce que là il est très très chromé et voilà. Donc avec de chouettes petits détails dessus. Et puis donc j'avais reçu également pour ma précommande donc ces accessoires-ci hein, qui sont ces deux piles driver qui se mettent au niveau des mains. Voilà, en hommage à un épisode. Et puis aussi ces deux super punch, donc ces deux super points. Voilà, pour faire un peu comme Rumble en fait, sauf que là voilà, c'est méga coup de poing. Voilà, donc j'étais assez content d'avoir eu tout ça. Donc on va maintenant pouvoir passer au mode, voilà, au plus important, donc c'est-à-dire le contenu de la boîte. Et voici donc notre petit poteau Sideswipe. Donc comme on peut le constater, il s'agit hein, d'un hommage vibrant au G1. Donc de toute beauté, une finition absolument superbe. Et monsieur, le trépied commence déjà, ça promet. Donc voilà un petit peu le petit père Sideswipe sur toutes ses coutures. Donc le logo bien sûr Autobots devant, le logo Lamborghini juste à l'avant. Je sais pas si on va voir grand chose, mais là je fais mon appareil ne fait pas macro, donc voilà, c'est tout ce que vous pourrez voir au niveau du logo Lamborghini. Voilà un petit peu pour le tour. Donc on voit quelques petites parties un peu visibles. Donc je n'en tiens pas trop rigueur, mais c'est vrai que bon, Masterpiece depuis c'est quand même vachement amélioré, et on a plus affaire à ces jours qu'on a ici, ou même ici. Et puis autre chose aussi, c'était qu'on se retrouve, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais avec deux teintes de rouge différentes. Donc un rouge pour cette partie-là, puisque cette partie-là est une pièce entièrement, c'est le cockpit hein, qui est entièrement transparent et qui a été peint. Donc on voit la couleur qui est le rouge qui diffère du rouge du reste du véhicule. Donc il ne reste pas pour moins voilà un chouette pépère.
Donc on se retrouve ici avec voilà la marque Kuntak. Donc voilà pour la vue d'ensemble. Et au niveau des accessoires, donc on avait donc, ces deux armes donc que l'on peut pluguer ensemble. Il est possible de fixer. Donc vous avez cette partie-là qui s'enfonce, hein, un peu comme certains Transformers, comme certains Transformers d'autres gammes concurrentes entre parenthèses. Voilà, donc il est possible de stocker ces armes sur le toit. Donc bon, je sais que c'est pas terrible terrible, mais au moins on peut le faire si on veut éviter d'égarer ses pièces en mode halte. Donc voilà, chose plutôt pas mal. Donc de beaux petits détails, hein, on a les rétro-latéraux, on a les essuie-glaces juste ici. Enfin voilà quoi, c'est du masterpiece, hein, c'est pas pour les gamins, c'est plutôt voilà pour les collectionneurs ou ceux de notre génération ou ceux des générations actuelles donc qui souhaitent posséder des pièces de collection en hommage au G1. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de cette voiture? Donc elle roule plutôt pas trop mal. Voilà, bon roulement. Donc chouette voilà, chouette véhicule. Je sais que la première fois où j'ai reçu ce Sideswipe et Red Alert, j'étais fou comme un gamin. J'avais enfin, voilà, enfin ces masterpieces. Donc on va pouvoir faire une petite comparaison avec son équivalent dans la gamme Chug. Et puis bien entendu, donc la version G1, auquel il rend hommage. Donc le mien est un petit peu abîmé, malheureusement, les affres du temps et les nombreux combats qu'il a dû subir, mais il est encore là, mon petit père Sideswipe, et même ses pneus en caoutchouc sont toujours en bon état, ce qui n'est pas le cas du robot dans son ensemble. Mais voilà, on peut voir justement par cette comparaison, voilà, 30 ans les séparent, mais on a bien une reproduction fidèle du véhicule, et en mode robot, c'est pareil, c'est juste une tuerie. Donc on va pouvoir passer maintenant à l'étape de transformation, donc qui est extrêmement fun, comme la plupart des masterpieces, hein. On n'est pas dans du 3-4 étapes, on a quand même quelque chose d'un peu plus... Un peu plus travaillé en termes de transformation. On peut voir aussi au niveau de l'undercarriage que tout est bien dissimulé, placé. Donc ouais, il n'y a pas trop de jours, pas de trous. Enfin voilà quoi, c'est du masterpiece dans toute sa splendeur. Alors pour la transfo, donc on va commencer par l'aileron arrière que l'on va venir séparer en deux, comme ceci. Nous allons ensuite dégager ces parties-là. Qui recouvre une partie des jambes. Ensuite, on va pouvoir directement positionner ces parties-là comme ceci. Voilà. Et on a donc une partie de la transfo qui est topée. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Donc, on va lever ce qui fait cockpit. On va le ramener vers l'avant. Et on va s'intéresser aux jambes. Donc pour commencer, nous allons les placer comme ceci. Nous allons les séparer. Hop, hop. Voilà. Ensuite, on va pouvoir passer sur cette face-ci. Donc ensuite, nous allons venir placer l'ensemble. Alors vous avez juste ici. Je ne sais pas si vous allez le voir, un petit panneau qu'on va venir, voilà, soulever de façon à masquer au maximum le jour qu'il y a ici. Donc vraiment un bon point à ce niveau-là. Donc il suffit de le bloquer comme ceci. Pour monter ça légèrement, on place le pied. Le talon et on va rabattre cette partie-là.
Et voilà, nous avons donc la première jambe de sideswipe. Donc même chose pour la seconde. Donc, on vient ramener en avant, voilà, l'arrière du véhicule. On rabat le pied. On va venir sortir le talon. Jusqu'ici, rien de sorcier. On va venir déclipser cette partie-là et on va la placer. Alors, si j'y arrive, une fois de plus, j'ai les bras étirés au maximum, donc ce qui réduit un petit peu mon champ de mouvement. Et voilà. Donc, nous avons déjà les jambes. Voilà, bien compact. Ensuite, nous allons rabattre son slibard. Hop, comme ceci. Vous voyez. Et nous allons pouvoir passer maintenant à la partie supérieure. Remonter un petit peu. Alors, pour la partie supérieure, donc déjà, vous allez pouvoir redescendre légèrement le cockpit, enfin, la partie, voilà, la partie de l'habitacle. Vous allez pouvoir donc hop, déclipser de chaque côté ces pièces-là pour pouvoir ensuite les placer comme ceci en dessous. Merci le trépied. Il va y avoir un mort avant la fin de la soirée. Voilà, donc désolé pour ce petit contretemps. J'ai mon trépied qui est encore en train de foutre le camp. Donc ensuite, une fois que vous avez mis l'habitacle, le haut de l'habitacle comme ceci, vous allez pouvoir rabattre le capot avant, la tête, alouette. Hop, on rabat le haut de son masque. Vous allez pouvoir venir rentrer donc les roues comme ceci. Pouvoir placer tout de suite ce qui va former les bras. Donc on tire comme ceci, comme ceci. Hop, on vient sortir le poing. Même chose ici, en l'air, comme ceci, comme ceci. Hop. Le second point, on rabat. Et vous avez cette pièce-là. Donc, le bassin, vous le ramenez vers l'avant. Et vous avez juste ici un tout petit, voilà, un tout petit trou. Et ici, un petit ergot. Donc, comme d'hab, papa dans maman, décidément. Rien de suggestif, je vous rassure. Voilà. Et nous avons notre poteau sideswipe ready. Et c'est une vraie merveille. Reste plus qu'à fixer son canon. Comme ceci. Alors les mains sont articulées, hein. Voilà, donc justement, concernant les articulations, donc on se retrouve avec un visage donc et rotation complète à 360. Idem pour les bras, rotation complète à 360. On peut plier le coude. Vous avez, voilà, comme ceci. Donc on peut également orienter complètement l'avant-bras. Et puis nous avons le poing également, donc rotation complète. Et voilà, ouverture. Donc les doigts ne sont pas indépendants, hein, mais vu la taille, bon, c'est un peu normal. Mais voilà, on peut ouvrir les mains, donc c'est voilà, un petit plus fort agréable. Au niveau du bassin, donc vous avez voilà une rotation aussi qui est possible. Donc le bassin, ensuite les jambes, position Van Damme, prut, voilà, donc
On peut lever. Voilà, comme ceci. Donc bonne amplitude hein, des mouvements. À noter que voilà, si vous levez trop la jambe, le slibard va se lever systématiquement. Donc sinon vous êtes limité à ça. Voilà, donc le genou, le pied, au bas. Alors pas de rotation droite-gauche. Hein. On était vraiment dans les. Pas dans les prémices des masterpieces, des nouvelles séries masterpieces, mais presque. Donc voilà un petit peu notre petit pépère. Vraiment de toute beauté. On peut lui rajouter à présent son arme. Et voilà. Ah, j'ai mal. Voilà. Voilà un petit peu notre super poteau sideswipe. On peut en profiter pour admirer voilà, son superbe visage et ses beaux yeux bleus. Vraiment de toute beauté. Une finition juste parfaite, hein, comme Masterpiece nous y a habitués. Une vraie réussite. Et donc il est possible également, avec les accessoires dont il dispose. Alors pour ça, il vous faut rentrer les mains. Comme ceci. Voilà. Et on peut lui fixer donc ces deux piles driver. Voilà. Ou encore, lui placer comme dans le cartoon, c'est super punch. Voilà. Viens prendre ta baffe! Voilà. Donc juste, bah juste superbe quoi. Vraiment, Sideswipe comme Red Alert sont vraiment deux must have, deux indispensables pour tout fan et pour toute collection Masterpiece d'ailleurs. Hop, je vais repasser les mains dans le bon sens. Voilà. En termes de position, on va essayer de lui donner une petite position dynamique. Comme j'aime bien donner. Super. Fais-nous quelque chose de sympa. J'ai pas une surface super stable. Comme j'ai une table laquée noire, c'est pas. Voilà, si je devais filmer dessus, ce serait juste impossible. Voilà. Voilà la petite pose de notre poteau Sideswipe. Donc vraiment bah, une figurine que je ne peux que conseiller pour ceux qui n'ont déjà pas, pour ceux qui ne l'ont pas, du moins. Mon poteau Nico, je te conseille, vu que le Noël arrive, si vraiment tu es fan de Sideswipe, essaye de commander au Père Noël cette figurine. Je peux t'assurer vraiment que voilà qu'elle va t'apporter beaucoup de plaisir. C'est juste une tuerie, quoi, tout simplement. Voilà, une de mes premières figurines Masterpiece de la nouvelle gamme, donc dont l'échelle était beaucoup plus petite que les premières séries. Donc voilà, un must-have, je le répète. Donc on peut faire un petit comparatif rapido avec sa version G2, qui est tout aussi belle. Voilà, peut-être un peu plus détaillée et plus complète en termes d'accessoires. Voilà, notre Sideswap G1 et G2, réunis pour le meilleur et pour le pire.
Voilà, de toute beauté, hein. Ce Sideswipe G2 est vraiment absolument splendide aussi. Alors lequel choisir? Bah là après c'est selon les préférences. Moi j'avais déjà eu celui-ci en premier, donc j'ai pas eu de trop de difficultés après à m'acheter l'autre, le G2. Après quant à choisir, bah, c'est vraiment une question de goût, quoi. Mais je pense que la plupart des collectionneurs vont s'orienter systématiquement, pour ainsi dire, sur la version G1. Voilà. Et on va faire aussi, je vais vous faire aussi un petit comparatif donc avec ces deux autres, voilà, ces deux autres versions, Chug et G1. Donc je vous donne rendez-vous tout de suite d'ici quelques secondes. Donc ne changez pas de chaîne, restez sur ma chaîne. Et je vous dis à tout de suite les petits amis. Donc voilà, magie du montage. Opérationnel. Donc voici donc, comme je vous le disais, donc la version Chug de notre pote Sideswipe, qui était déjà une pure réussite à sa sortie et qui pour moi l'est toujours. Sais pas ce que va nous chier Combiner Wars pour ce personnage-là, mais certainement encore un repaint de Breakdown. Et Sunstriker. Et voilà donc pour notre petit poteau G1, notre petit précieux, tout défraîchi, tout décoloré, mais qui est encore là. Donc voilà, la famille réunie. Donc ouais, du grand bonheur. Tout simplement, j'essaye de trouver des synonymes, mais non. Je le répète, c'est voilà vraiment un superbe, superbe Transformers. Mais en même temps, pour pas aimer les masterpieces, faut vraiment être difficile. Bon. Voilà, donc mon petit pote Nico, bah, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura donné éventuellement l'envie de commander au Papa Noël ce Sideswipe Masterpiece. En tout cas, je te souhaite vraiment de l'avoir un de ces quatre parce que voilà, c'est vraiment un indispensable dans une collection TF. Donc, quant à vous, les petits amis, bah, j'espère aussi que cette revue vous a plu et vous a donné, pourquoi pas, l'envie de posséder aussi ce petit père qui est juste parfait. Voilà. Je vais pas continuer, je vais pas tergiverser, aller plus loin. C'est voilà, c'est un indispensable, c'est un super TF, il est vraiment classe. Donc je ne peux que vous le conseiller. Donc nous, ben, on se donne rendez-vous donc très bientôt pour une prochaine revue. Je n'ai pas encore d'idée. On va voir en fonction de ce que je vais recevoir ou non dans la semaine. D'ici là, passez un bon week-end, un excellent week-end. Profitez-en bien, reposez-vous bien, faites tout ce que vous avez à faire dans la joie et dans la bonne humeur. Et puis ben, moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine revue. Allez les amis, bonne soirée, gros bisous, tchuss. À bientôt, bye. Ah, franchement, les mecs, il n'y a pas à dire. Il y a 30 ans comme aujourd'hui, on a toujours autant la super fucking classe, moi je vous le dis. Ah ouais, mon petit gars, ça c'est vrai. 30 ans nous séparent, mais franchement, vous êtes aussi classe qu'à l'époque. Ah, j'ai une idée. Et si on faisait une petite blague à notre petit pote? Attendez, je vous explique. Oh oui, trop cool. On fait ça, on fait ça. Allez, on se planque. Allez, quant à nous, on fait style l'air de rien. Ma dépression commence à aller un petit peu mieux. Ah tiens, même le petit pote. Salut les amis. Salut Magnus, comment ça va? Tu vas bien? Ça va mon petit bonhomme. J'ai la forme, ça va un petit peu mieux, merci. Allez, à la revoyure. Salut mon poteau. Sacré petit gars. Ah, vraiment, deux super warriors. Ça vous jouez vite.
Ah, bon, allez, j'allais me boire un petit verre d'énergon, ça va me remonter le moral. Salut Magnus. Salut. Quoi? C'est pas possible. Je viens de vous dire bonjour. Et vous étiez tout petit. Et maintenant, vous êtes presque aussi grand que moi. Eh ouais, mon pote, on a pris du super énergon maxi size carburating. Mais c'est pas possible. Vous ressemblez plus à rien. Vous êtes trop moderne. Oh non, ça recommence.